de ses fils la brasseur. Aujourd'hui, on met en canne la bière au sirop d'érable. Pourquoi j'ai décidé de mettre cette bière-là en canne? Premièrement, ça se transporte beaucoup mieux. Deuxièmement, je trouve ça beaucoup plus rapide que mettre ça en bouteille. Et je vous explique tout de suite pourquoi. La canne vient déjà propre, stérile. Fait qu'il reste juste à enlever la poussière qu'il aurait pu avoir à l'intérieur. Pour ce faire, ça ressemble. Et on le laisse égoutter. Si vous avez un plateau, peu importe, une tôle à biscuits, vous pouvez juste mettre toutes vos cannes à l'intérieur pour être sûr de ne pas faire des dégâts à la maison. Et ça va s'égoutter parfaitement. Moi ici, j'ai un égouttoir, fait que ça va beaucoup plus vite. Tandis que la bouteille, il faut la mettre au PBW, la rincer à l'eau, la mettre en StarSan et la déposer. Ça m'a pris un gros 5 minutes faire 24 cannes. Des bouteilles, ça aurait été beaucoup plus long. Deuxièmement, c'est plus léger, alors plus facile à transporter, c'est moins lourd. Plus facile à emmener en ponton, en bateau, en 3 roues, en 4 roues, en skidoo, en 6 doux. Fait que c'est pour cette raison-là que j'adore faire de la canne. Et beaucoup de monde, mais présentement, aime mieux boire de la canne. Plus facile aussi à donner, je le donne à un ami. Ben, il est pas obligé de me ramener ma bouteille. Il l'envoie au recyclage où il va chercher son 20 sous consigné. Puis, comme ça, ben, c'est merveilleux, ça va vraiment bien. Je vous présente ma petite canneuse, la petite October, tout simplement. On va mettre nos cannes à l'intérieur. 1, 2, et c'est comme ça qu'on va sceller nos canettes. Les dessus. Je laisse tout le temps tremper dans le StarSan, comme ça ils sont jamais contaminés quand je les utilise. Puis, nouveau principe que j'ai essayé la dernière fois que j'ai fait de la canne, c'est d'utiliser mon beer gun. Pourquoi j'utilise le beer gun? Tout simplement parce que ma chaudière a brisé juste avant de mettre la bière dedans. Alors j'étais un petit peu mal pris, je savais pas trop comment faire, j'avais le beer gun pis tout. Alors j'ai décidé de mettre la bière dans le keg, mettre le sucre dedans, de brasser mon keg au lieu de brasser à la cuillère et de remplir avec le beer gun. Ça allait super bien, ça allait super vite aussi. Et on n'est pas pris avec le bouc des fois quand on dépose qui commence à envoyer de la bière un peu partout. On a juste à le déposer dans l'eau ou dans du StarSan et il reste stérile aussi. Fait que c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'utiliser le beer gun pour cette bière-ci aussi. J'ai mis mon sirop d'érable dans mon keg avec ma bière et pour être sûr que ça soit homogène, on peut juste shaker un petit peu, on rajoute la CO2 et on est prêt à fonctionner. Qu'est-ce qui est vraiment pratique, c'est que je suis pas obligé de gazifier ma bière avant, alors j'ai pas moins d'une grosse pression non plus. On va mettre la canne, dans ce cas-ci, au rebord. Et quand on va mettre notre couvert par-dessus, la bière va couler alentour. Et c'est comme ça qu'on va être capable de canner, je vous le montre à l'instant, ça sera pas super long. Pour le calculateur, vous pouvez aller voir, j'ai eu beaucoup de demandes, de questions, combien de grammes tu mets, combien de ci, combien de ça. Vu que j'avais 19 litres, j'ai mis 181 grammes de sirop d'érable. Vous pouvez trouver des calculateurs sur internet, tu sais, puis il y en a plein. Moi j'ai décidé d'aller pour le style d'un brown pour mettre mon sucre, comme ça, ça va être un petit peu plus pétillant, je vais avoir 2.8 je pense de CO2 par volume. Vous pouvez aussi utiliser la canne, je vous ferai peut-être d'autres tutoriels si ça vous intéresse, avec le beer gun aussi, mais gazifié, une fois gazifié on peut remplir nos cannes, et aussi avec tout simplement le petit remplisseur à ressort. C'est sûr que une canne coûte environ 30 à 50 sous, 55 sous, dépendant où qu'on la jette et à quelle quantité qu'on la jette, évidemment. C'est quand même qu'on va jeter, mettre au recyclage, donner. Oui, il y a le 20 sous qu'on peut avoir parce que les caps sont consignés sous ceux-là ici présentement. Mais ça a quand même un plus gros coût pour mettre votre bière dans un contenant que la bouteille qu'on peut récupérer. Par contre, pour tous les avantages que je vous ai énumérés avant, je préfère fortement la canne. Alors, beer gun, canne, on pèse sur notre petit à bouton juste ici. Et la canne se remplit tout simplement. On met notre cap dessus.
enlève le petit moteur. On met notre bouteille. 1, 2, on peut essuyer. C'est fait. Moi, j'aime bien l'attraper dans l'eau pour être sûr et certain qu'elle reste parfaite. Et c'est pas plus compliqué que ça! Oui, je l'avoue que quand on met la canne, ça peut revoler un petit peu. C'est pour ça que les nouvelles canneuses ont des fils de protection. Mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas l'avoir partout parfait. Alors, c'est parti pour la canne 2. On remplit. Et vous allez voir, c'est assez rapide présentement. On met notre cap. Et c'est fait. Plus que 22 bouteilles à part. Et c'est parti. Quand vous faites vos bières comme ça, vous pouvez aussi les tremper dans le Star Sand pour les rincer parce qu'il y a beaucoup de bières qui coulent dessus. Ça va les stériliser aussi en même temps pour être sûr qu'il n'y a pas de collage ou dans l'eau tout simplement. Et on le remet dans l'autre égouttoir pour être sûr et certain que vous ne faites pas de dégâts à l'intérieur. Cette machine, ça va vraiment bien. Comme vous pouvez le constater, ça va vraiment vite aussi. Alors, c'est vraiment pratique de l'avoir. On la nettoie un coup qu'on a fini, on la resserre et qu'on est prêt à faire des cannes. On n'a pas perdu 3, 4, 5, 6 heures pour faire nos cannes. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi mettre nos sucres directement dans la canne. Ça veut dire qu'on va le calculer. On met le sucre, on met notre bière, on cape. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. S'il me reste des cannes ou de la bière après, qui je finis mon keg, ben, je vais faire probablement ça. L'autre chose, oui, ça fait un petit peu plus de perte que faire des bouteilles. On en perd un petit peu plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir dans la vie. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir, partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner, la petite cloche. Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Moi, je vais continuer à canner un peu de bière. Yeah!